Le serveur du restaurant a déplacé les aliments non utilisés dans la chambre froide avant la fin de la journée. Le directeur, qui venait de sortir des toilettes, a vu que la porte était restée ouverte et l'a fermée à clé sans vérifier s'il y avait encore quelqu'un à l'intérieur. Les affaires de la jeune fille sont tombées et ont couvert le bruit de la fermeture de la porte. Elle ne savait même pas qu'elle était enfermée à l'intérieur. Le directeur a vérifié les registres des horloges et confirmé que tout le monde était en congé. Il a donc actionné l'interrupteur et est parti. La jeune fille était plongée dans l'obscurité de la pièce froide lorsqu'elle s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas. Elle frappe à la porte métallique. Mais celle-ci fait 80 cm d'épaisseur. Le directeur, qui avait déjà atteint la porte, n'a pas entendu le moindre son. Heureusement, il y avait une lampe de secours dans la chambre froide. Lorsque la lumière a été rétablie, la jeune fille a utilisé son corps pour frapper de toutes ses forces sur la porte. Mais celle-ci était toujours fermée hermétiquement. Pour ne rien arranger, son téléphone portable était resté sur la table à l'extérieur et elle ne pouvait pas appeler à l'aide. La jeune fille a dû remonter le chariot, s'agripper à la rampe en fer et frapper à la porte. Mais ses efforts sont vains, car le gérant a verrouillé la porte de l'extérieur. Bientôt, les mains de la jeune fille sont devenues violettes et gelées et elle a perdu connaissance. Les refroidisseurs continuent de faire baisser la température et des engelures commencent à apparaître sur le visage de la jeune fille. Elle ne portait que de fines manches courtes et n'avait aucun moyen de se réchauffer. Elle devait se frotter le corps pour obtenir un peu de chaleur. Soudain, elle fouille dans sa poche pour trouver son ticket de cinéma. Le dernier film se termine dans 10 minutes. La chambre froide se trouve à côté de l'entrée et de la sortie du cinéma. Après le dernier film, tout le centre commercial sera fermé. C'est peut-être sa seule chance d'obtenir de l'aide. La jeune fille trouve alors un plateau dans la glacière. Elle tient le plateau et fixe sa montre, attendant impatiemment qu'elle lise les secondes une à une. La foule se disperse et s'agglutine. La jeune fille, ayant calculé l'heure, commence à frapper son plateau contre le mur. Elle prie pour que quelqu'un passant à proximité du restaurant entende son appel à l'aide. Mais avec le bruit d'une foule de pas et de bavardage, les coups de la jeune fille étaient des bruits de moustiques et n'auraient pas attiré l'attention. Alors que les gens évacuent le restaurant, un jeune garçon entend enfin le vacarme. Il a immédiatement dit à son père qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Lorsque le père a vu l'obscurité qui régnait à l'intérieur, il a d'abord pensé que l'endroit était hanté. Puis il a emmené son fils et est parti. Les lumières étaient éteintes dans le centre commercial et tout le monde était en congé. Du givre commence à se former sur sa peau blanche. En regardant la machine de refroidissement, qui gagne de plus en plus en puissance, la jeune fille est complètement désespérée. En un rien de temps, elle serait transformée en sculpture de glace. C'est alors que la jeune fille eut une idée audacieuse. La jeune fille était coincée dans la glacière d'un restaurant à moins 20 degrés. Mais elle ne portait que des sandales et des manches courtes et avait déjà une couche de givre sur le corps. En regardant la machine frigorifique qui continuait à déverser de l'air froid, la meilleure façon de se réchauffer était de s'attaquer à la racine du problème. La jeune fille a donc déchiré le carton, découpé le ruban adhésif avec ses dents et grimpé sur l'échelle pour tenter de bloquer les bouches d'aération. Mais les membres de la jeune fille étaient déjà gelés. Même cette action simple lui est devenue très difficile. Elle a lutté contre le vent mordant pour mettre le papier en place avec précaution. Comme le sommet n'était pas assez haut, la jeune fille a hésité et s'est mise sur la pointe des pieds pour l'accrocher. Ses pieds furent écrasés sous le cadre de fer froid, et les morceaux de papier qui n'avaient pas été fermement attachés furent emportés par le vent. Tous ses efforts sont vains. La jeune fille avait l'impression que des pics de glace lui transperçaient les pieds. Lorsqu'elle le souleva, son pied se brisa en arc de cercle. Elle tendit doucement la main et tenta de le briser. La douleur était si intense qu'elle lui a traversé la plante du pied et que son cerveau a failli s'évanouir. Mais si elle ne réussit pas à redresser l'os, son corps figé et raide, entraîné par le dos cassé de son pied, serait totalement handicapé. Il ne lui restait plus qu'à mourir ici. Décidée à prendre le risque, la jeune fille glissa son pied entre deux étagères métalliques. Après avoir bouché l'espace excédentaire avec un morceau de papier et appuyé sur le mollet, la jeune fille a finalement réussi à réparer la fracture au prix d'une douleur atroce. Elle s'est empressée d'enrouler un tissu autour de la fracture pour la réparer, puis s'est relevée, le corps tremblant. La température de la chambre froide continuait de baisser et la jeune fille tomberait dans le coma si elle ne se réchauffait pas. Elle déballa les frites de la chambre froide et les porta à sa bouche. Les réserves de froid les avaient rendues plus dures qu'une pierre et il était impossible de les manger. Cherchant désespérément de la nourriture, la jeune fille aperçoit une souris dans une crevasse. Là où il y a une souris, il doit y avoir de la nourriture à manger. Et elle a trouvé derrière elle un demi-paquet de chocolat. La jeune fille faillit s'arracher les dents en une bouchée. Mais elle avait enfin quelque chose à manger pour refaire le plein de calories. Elle sortit un briquet de sa poche et alluma tout ce qui brûlait dans l'endroit. Le corps raide de la jeune fille est enfin soulagé par le feu. Mais bientôt, elle commença à souffrir d'oppression thoracique et d'essoufflement. En levant les yeux, elle se rendit compte que la chambre froide fermée était déjà en train de brûler et qu'elle serait asphyxiée et privée d'oxygène si elle continuait ainsi. Elle s'est précipitée pour éteindre le feu. Mais en l'espace de quelques secondes, le froid glacial s'est à nouveau emparé de son corps. Si elle devait mourir de froid ou s'étouffer, quel choix avait-elle? Une jeune fille piégée dans un entrepôt frigorifique à moins 30 degrés Celsius perd connaissance. Lorsqu'elle s'est réveillée en sursaut, elle a constaté que ses bras étaient mortellement collés au sol. Dans de telles conditions, un contact direct de la peau avec n'importe quel endroit équivaudrait à lécher les balustrades avec la langue en hiver. Elle ne tarderait pas à devenir une sculpture de glace dans une chambre froide. La jeune fille a dû se déchirer le bras contre la douleur. Elle ramassa le film alimentaire et l'enroula autour d'elle en plusieurs couches. Bientôt, elle fut une momie. Mais cette façon de se réchauffer n'est qu'une goutte d'eau par rapport au vent glacial qui continue à souffler. Furieuse, la jeune fille ramassa un morceau de chair et le lança sur le ventilateur.
qui se bloqua inopinément. Elle utilisa d'autres morceaux de viande pour bloquer l'ouverture du ventilateur. Un ventilateur arrête le froid de moitié. Cependant, la jeune fille a déjà dépensé toute son énergie. Alors qu'elle jetait encore de la viande sur l'autre ventilateur, elle s'effondra d'épuisement. Le corps de la jeune fille a perdu sa température et son sang ne circule plus du tout. Alors qu'elle agonise, la jeune fille commence même à avoir des hallucinations. Elle a vu son père venir la chercher à son travail et s'est jetée dans ses bras chaleureux. En revanche, le père a attendu jusqu'à minuit. Comme la jeune fille ne rentrait pas, il a appelé la police en toute hâte. D'après la localisation du téléphone, celui de la jeune fille se trouvait encore dans le centre commercial. Le père pensait que la fille n'avait pas encore quitté le restaurant. Le père a donc fait appel à la police et a défoncé la porte. Il a finalement réussi à ouvrir la porte de la chambre froide avant que la jeune fille ne soit sur le point de mourir. Il s'agissait peut-être d'un lien télépathique avec le père. Ses hallucinations se sont concrétisées et elle s'est retrouvée dans les bras de son père. Au fait, si dans la vraie vie vous étiez piégé dans un congélateur, quels seraient les meilleurs moyens de le sauver ? Quels sont les meilleurs moyens de se sauver ? Toute personne travaillant dans un grand restaurant peut nous le dire.